Vous avez réussi votre première interview avec un journaliste en suivant notamment les conseils donnés dans la précédente vidéo. Rassurez-vous, je vous mets le lien dans la description si cela peut vous intéresser. Et vous avez envie de recommencer l'expérience qui n'est au fond pas si dramatique que cela. Je vous propose, dans cette vidéo, de vous apporter plusieurs conseils pour devenir ce que l'on appelle dans les médias un bon client auprès des journalistes. Et oui, la première chose à faire pour attirer la curiosité d'un journaliste est tout simplement d'être visible et notamment sur les réseaux sociaux. C'est peut-être les seuls endroits où vous pouvez publier du contenu librement selon vos envies. Car à part vous et votre entourage, peu de personnes savent exactement ce que vous faites et quels sont vos sujets de prédilection. Donc, dans un premier temps, il va falloir poster de nombreux articles sur les réseaux sociaux afin de vous construire une image d'expert sur un sujet ou sur une thématique. Privilégiez alors Twitter qui reste encore aujourd'hui le réseau social favori des journalistes et plus globalement des médias. Publiez régulièrement des posts en utilisant les hashtags appropriés afin tout simplement d'être repéré. Soignez également la photo, l'illustration que vous allez mettre avec votre post, une bonne image attirera toujours plus l'œil d'un expert. Abonnez-vous également au compte des principaux médias et n'hésitez pas à réagir au contenu produit par ces mêmes médias quand le sujet vous concerne. Attention, si vous voulez vous faire remarquer, soyez productif et constructif. Essayez également d'identifier des journalistes qui sont spécialisés dans votre domaine d'expertise afin de réagir à leur contenu publié sur les réseaux. Même si en santé, tous les journalistes peuvent vous contacter, sachez qu'il existe encore des journalistes spécialisés qui travaillent pour des médias spécifiques. Faites-vous alors remarquer en commentant leurs publications de façon, bien évidemment, bienveillante. Vous n'avez pas remarqué que très régulièrement, c'est toujours les mêmes professionnels parisiens qui sont interrogés quand l'actualité bouge. Cette coïncidence est tout simplement liée au fait que les grandes rédactions sont à Paris et il est donc plus facile d'aller interviewer un professionnel sur place qu'à l'autre bout de la France. Heureusement, cette tendance commence à s'atténuer du fait notamment des moyens de visio. Il est devenu facile en effet de faire un Zoom, un Teams ou un Meet aujourd'hui. Dans tous les cas, vous devez être réactif quand un journaliste vous contacte. Si vous passez votre tour, un autre sera disponible pour passer à la télé. Et le journaliste hésitera probablement la prochaine fois à vous contacter au profit d'un expert plus disponible. Peu importe le sujet, l'expert sollicité par les journalistes a toujours quelque chose à dire quand il est interrogé. Et c'est sûrement cela le secret d'un bon client pour les médias. Avoir une histoire à raconter plaît beaucoup aux médias et si en plus vous maîtrisez l'art du storytelling, vous allez pouvoir captiver les gens. Respectez la mécanique du storytelling dès que possible. La meilleure façon de pouvoir avoir cette capacité et de raconter des histoires constamment sur vos sujets. Il faut que vous maîtrisiez les thématiques de votre environnement et soyez capable d'apporter d'autres informations que celles que tout le monde connaît déjà. Une autre approche consiste à noter, sur un petit carnet par exemple, tout ce qui se passe d'original dans votre journée. Raconter son activité quotidienne, des anecdotes métiers ou les rencontres que vous faites est très intéressant car cela permet aux spectateurs de s'immerger dans votre quotidien. Ce type de narration est très accrocheur car en plus d'apporter de l'information, vous donnez un peu de vous-même. La vie privée intéresse beaucoup le public. Grâce à cette vidéo et à la précédente sur comment préparer une interview, vous devez être capable de répondre positivement à une demande d'interview et peut-être même aimer cela. Devenir un bon client se travaille en amont avec la production de contenu sur les réseaux sociaux pour attirer l'œil du journaliste sur vous, mais également après l'interview.